Mohamed Bouchareb, 28 ans, 57 kilos, Team Chouk, ville tanneuse, plusieurs fois champion de France, champion d'Europe WBC. Je suis arrivé il y a plus d'une semaine en Thaïlande. Je trouve que c'est important pour s'adapter au climat, au décalage horaire surtout aussi, pour trouver son sommeil, etc. C'est un adversaire que j'ai déjà rencontré ici en Thaïlande et que là je rencontre encore une fois aujourd'hui ici même en Thaïlande pour l'anniversaire du roi. Donc c'est vrai que l'avoir déjà rencontré, ça nous permet de bien se préparer pour la revanche. Après, c'est un événement très 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 important pour eux ici, l'anniversaire du roi. Ils sont chez eux, donc ils vont être remontés à bloc, que ce soit pour tous les Thaïlandais. Ouais, très très important parce que c'est un gaucher, il a une jambe redoutable. Faut travailler sur. On va beaucoup désaxer sur, pour ne pas tourner sur sa jambe arrière justement. Et essayer d'envoyer au bon moment sa droite, sa jambe arrière et finir avec un bon travail de genou. Comme il a fait au match aller. Donc ça s'est joué un peu, on sait ce qu'on a à faire. Donc Mohamed il est prêt, il n'y aura pas de soucis je pense. Voilà. Mamesh, 21 ans, boxe à la team Naserka, boxe à la catégorie des moins de 55 kg. J'ai un palmarès de 31 combats, 28 victoires et 3 défaites. Ce qui a changé pour moi depuis que je suis champion du monde, c'est que j'ai plus de pression et plusieurs personnes veulent mon titre. Et je dois assumer mon titre de champion du monde. J'ai déjà boxé beaucoup de fois en Thaïlande. J'ai déjà pris beaucoup de thaï, donc je sais comment aller boxer, je sais à peu près comment ça se passe, je connais un peu le public, j'ai boxé déjà plusieurs fois, donc je sais comment ça va se jouer. Mon adversaire, je ne le connais pas, mais bon, j'imagine que ça doit être un thaï super fort, parce que comme cette organisation est grandiose, je pense que l'adversaire sera du niveau. Christian Bertelli, je suis boxeur de beach juif, je suis en moins de 71 kg. Je suis plusieurs fois champion de France, je suis champion d'Europe aussi. Et j'ai pris une médaille d'or en championnat d'Europe amateur. Ma préparation, c'est. Sur 2 mois, on a bossé beaucoup sur les genoux, le corps à corps.
Donc sinon après la boxe, sur la boxe pied-point je l'ai, donc après c'est pas le même mode de combat. C'est plus tranquille, mais je m'y suis fait en fait. On va voir ça sur le ring. J'ai vu une vidéo sur mon adversaire. Il a boxé Jimmy Koulibaly il y a un petit moment. Sur la vidéo, j'ai vu qu'il avançait beaucoup, qu'il tapait beaucoup des points. Et de toute façon, avec mon entraîneur, avec Sidi, Pascal, on a travaillé en conséquence pour contrer mon adversaire. Donc on verra ça le jour J, ça va être la guerre. Et aujourd'hui, le challenge, c'est pour sa première de boxer ici en Thaïlande, dans les conditions que vous voyez. On est ici à plus de 30 degrés. Tout ce qui est facteur environnemental, exogène, tout ça, c'est des choses qu'on a pris en compte. Et par rapport à la préparation, on a préparé spécifiquement en Muay Thai. Karim Benoui, représentant de la team Nasserka dans la région lyonnaise, 62 kg, 45 combats, 40 victoires. Champion du It Showtime, champion WKN, champion USK, champion du tournoi de la Nuit des Champions en 2013. Voilà, présent en Thaïlande pour la Ligue des Gladiateurs pour l'anniversaire du roi. J'ai préparé ce combat qui est très important pour moi. Pour ma carrière, pour la suite de ma carrière, à peu près comme les autres combats, vu que j'étais déjà en vue d'une préparation, vu que j'ai boxé à peu près deux semaines de ça. Bon, mon adversaire, je ne le connais pas, je le découvrirai sur le ring directement, de nom comme ça, je ne pourrais pas dire qui c'est, mais on verra directement sur le ring, sur place. J'ai préparé ce combat, je suis en Thaïlande pour l'anniversaire du roi pour représenter l'équipe de France à la Ligue des Gladiateurs. Je sais pourquoi je suis là, et voilà, j'ai hâte d'y être. Bonjour à vous, Medizatou, 105 combats, 27 défaites, donc 35 par KO. J'ai 3 championnats du monde à mon actif, donc champion WBC, champion ISK et championnat d'Europe WMC EMF. Donc en 2006, j'ai aussi établi 2 championnats de France dans mes débuts. Aujourd'hui, je suis ici en Thaïlande pour le 5 décembre, l'anniversaire du roi. Ce qui n'est pas commun, on va changer d'endroit. C'est toujours en Thaïlande, mais ça va être à Pattaya. Donc au World Boxing Stadium. Donc je rencontre un Thaï ici même au Fairtex qui est ici. Et je vous promets un grand combat. La préparation s'est très très bien passée, comme à mon habitude. 2h le matin, toujours mon petit cardio dans ma salle que j'établis ici au PRS et ma pliométrie. Après, je fais 2 heures d'entraînement au Fetchamen chez Youssef Bouganem, qui est un ami. Donc moi, l'avantage que j'ai avec les autres Français qui viennent d'arriver, c'est que je viens juste de m'installer ici et donc j'ai pas les avantages du climat et de tout ce qui s'ensuit. La préparation de Mehdi, elle a été, on va dire, un peu la réplique de tout ce qu'on a toujours travaillé à la salle, c'est-à-dire 2 entraînements quotidiens avec
beaucoup axé sur le cardio. Moi, j'ai habitué à Mehdi à vraiment s'orienter vraiment sur une condition physique très musclée pour arriver à répondre vraiment au changement de rythme dans le combat. Et elle s'est très très bien passée. Bonjour, je m'appelle Chris Boussoukou, j'ai 21 ans, je m'entraîne à Saint-Fon chez Nasser Kassem. Mon adversaire, je le connais, il avait boxé Fabio Pinca, qui est de mon club, pendant la demi-finale du Thai Fight. Je suis super content, ça me fait super plaisir que Jamel et Pascal de la Ligue des Gladiateurs qui me font cet honneur-là de m'inviter en Thaïlande pour pouvoir boxer dans la Ligue des Gladiateurs qui était un gros événement. Et je suis venu tout seul, j'ai pas pu venir avec mon entraîneur car il est parti au Japon pour un de mes collègues, Oussine Benu, qui a boxé. Et je tiens à remercier la Ligue des Gladiateurs, tout ce qu'ils font pour moi, de m'avoir invité. Et je vais essayer de leur remercier à ma part en faisant un gros combat et un gros show. Sébastien Favre, 40 ans, je suis boxeur professionnel. Je boxe depuis une quinzaine d'années en Thaïlande. Je vous présente mon coach Yak. Il m'entraîne depuis le début. Mon entraîneur en anglaise, Daniel Bouas. Je suis là pour le gala de la Ligue des Gladiateurs avec que Pascal et Jamel organisent. Je combats donc pour l'anniversaire du roi. Je vais faire une ceinture mondiale WBC super lourd face à Cyril Bonnier. Je me suis entraîné déjà en France avec une équipe surtout sur le cardio. Je suis là depuis un mois et demi maintenant. Et j'ai repris les classiques, hein, entraînement le matin, l'après-midi, hein, avec Yak et puis Daniel. On s'entraîne à peu près 5-6 heures par jour. Alors c'est très important pour moi d'avoir deux coachs. C'est surtout très important pour moi d'avoir Yak et Daniel. Ils m'ont accompagné tout au long de ma carrière puisqu'ils m'ont quand même emmené face à Yot Sang Lai, ils m'ont emmené au Lumpini. Je ne pouvais pas envisager ma préparation sans mes deux pères spirituels. Ce n'était pas possible pour moi, ainsi que Alexandre ou Romain qui est mon promoteur. Voilà, c'est une équipe qui est formée depuis des années et je ne peux pas fonctionner autrement. Voilà. Les points forts de Sébastien, c'est déjà le mental. C'est quelqu'un qui lâche jamais, qui est passionné, qui aime ce qu'il fait. Et quand il faut aller au charbon, il faut aller à la guerre dans le combat, ben, il lâche rien. Il va jusqu'au bout. C'est quelqu'un d'honneur, de parole et qui fonce, quoi. Cyril alias Boulette, donc je vis en Thaïlande depuis 10 ans. Je m'entraîne, j'ai repris la boxe thaïlandaise il y a 3 ans et je m'entraîne au Pet Saman Gym. Donc, voici mon entraîneur Samar et ainsi que mon partenaire Youssef. Donc, ça fait 2 mois que je me prépare, donc on s'entraîne à fond, je vais courir tous les matins. Le soir, je m'entraîne dur, pao, clinch, sac, physique à fond. Et donc, je suis prêt pour le combat du vendredi 5 décembre. Il s'est préparé de façon très sérieuse, de façon assidue. Je l'ai supervisé pendant 2 mois. Donc, c'était une préparation sur 8 semaines. Comme c'est un poids lourd, c'est important de travailler toutes les bonnes chaînes musculaires. Donc, il est explosif. Il est rapide, il est prêt.
World Boxing Stadium de Pattaya, un stadium qui ce soir est archi-comble pour assister à une rencontre Thaïlande-France. Allez, bon, tu vas, hein? Ouais. T'as compris? Ouais. Il a ouvert la balle, t'as vu? Tu t'énerves pas au premier round. Ne t'énerve pas. T'as vu? Tranquille, t'énerve pas. D'accord? Hakim Amesh, de France. Il sera opposé au Thaïlandais Pattayalek Porchatchai. First round. Un partout pour le moment. On se retrouve tout de suite. Thaïlandais Yok Tinen, round 1. Puncher. Oh, bien, c'est super bien. La rate. Ça vient du Thaïlandais. Attaque. Oh, un kick. Oh. Le bon français. Victoire pour Christian Bertoli. Super. Félicitations. Bravo. Très correct. Karim Benoui.
victoire pour Yad Payak. Il a fait très mal là. On l'avait pressenti. Ouais. Il a fait un bon travail. Il a bien titillé au premier round, au deuxième round et au troisième round, il a commencé à accélérer. Je suis super content. J'arrive même pas à y croire, j'imagine même pas. Et je voudrais féliciter tous ceux qui m'ont supporté et aussi la Ligue des Gladiateurs ainsi que la WBC. Et merci à tout le monde et je sais pas quoi dire d'autre. C'est lui le champion, c'est lui, Big Ice. Il arrive toujours des mauvaises surprises et lui là, il en a payé le prix parce qu'il a fait un super combat, il était motivé, il est rentré sur le Thaïlandais, il l'a projeté, ce qui compte beaucoup de points ici. Moi j'étais persuadé qu'il avait gagné et voilà, il a subi l'injustice. Mais ça va le rendre plus fort, moi j'ai déjà vécu ça il y a une vingtaine d'années, ça va le rendre plus fort, il est jeune, il a l'avenir pour lui. Petite appréhension, petite boule au ventre avant le combat, parce qu'on n'est pas chez nous. Mais bon, on nous a bien motivés dans le coin, on nous a bien motivés avant le combat. Il y avait une bonne team.
Et voilà, on nous a donné l'opportunité à la Ligue des Gladiateurs. Et on a fait le taf. Très beau fight, il a tout. Il a pris les 5 rounds.